L'identité réunionnaise, elle a émergé il y a une dizaine d'années. Ils ont commencé à réfléchir ensemble, mais auparavant, ce n'était même pas un sujet. Et ils nous envient vraiment notre capacité, parce qu'on a une identité très profonde, très, très ancrée dans une culture qui vient de très loin. Ils nous envient ça parce que, effectivement, pour eux, c'est l'atout qu'il va falloir qu'ils arrivent à construire et à gagner comme nous. Donc c'était intéressant de voir que, de leur point de vue, la Bretagne, c'était une chance extraordinaire. Pour assumer également l'identité bretonne, je pense qu'il faut avoir le courage d'avoir recours à la définition de valeur, même si c'est forcément très limitatif. On ne va pas mettre l'identité dans une boîte, complètement contradictoire, c'est ridicule même. Mais en l'occurrence, dans la définition de la mission de Produits en Bretagne, on termine en disant « dans le respect des valeurs des Bretons », et on a un article ensuite qui définit ces valeurs. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est justement, on les a choisis comme étant, selon nous, celles qui correspondaient le mieux aux Bretons. On a choisi le respect, l'ouverture, le sens de la parole donnée, le travail et le sens de l'engagement solidaire. Ça fait déjà un bon socle de valeurs et on peut partir pour construire. Alors une exigence, c'est une fierté parce que je voulais quand même dire une petite histoire. C'est quand je suis passé à France Bleu National et qu'on nous a fait des commandes sur notre boutique en ligne. Maintenant, on reçoit des mails en disant bah, « Bon sang, ils sont forts ces Bretons » en parlant de la lessive. Et c'est là, quand j'ai reçu ces mails-là, c'est là que je me suis dit, je dis, bah, j'ai bien fait de mettre Presse-Wash. Parce que sinon, si j'avais fait Bio-Wash ou Green-Wash avec Fabriqué en France, eh ben, il se serait resté d'où ça vient. Il se serait même peut-être pas posé la question. Donc, et après, oui, bah, c'est une exigence que l'on a sur le territoire.